Salut tout le monde, c'est le petit Gobier. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc vidéo de présentation d'objets Harry Potter. Edwige, donc dans sa cage, de chez Running Press. Donc un super bel objet que j'ai acquis pour seulement 6€ sur Amazon. Donc je vais répéter, mais les prix de chez Running Press changent souvent. Donc ça varie d'un site à l'autre. Je sais que sur Amazon, ça tourne aux alentours de 5, maximum 8€, mais c'est dans ces eaux-là. Pas plus de 10. Par contre, si vous payez plus de 10, c'est pas normal. Bref, donc je vais vous faire les mesures de la boîte et on va passer. On va faire les mesures de la boîte, donc qui font 8 cm de longueur et 7,5 de largeur et en hauteur 4,5 cm. Donc petite boîte comme d'habitude. Donc une image d'Harry Potter avec Edwige, la code barre et derrière le contenu de la boîte. Et voilà. Donc on va passer à l'ouverture. Il y a un petit papier bulle pour protéger Edwige dans sa cage et le petit livret de stickers que je vous montrerai à la fin. Donc l'objet en lui-même. Le voilà, donc Edwige dans sa cage, sur un support doré, sur un socle noir, avec écrit Harry Potter TM, donc la licence, et Edwige. Derrière, en dessous, TM and Warner Bros, et c'était un objet créé en 2010. Donc Edwige, on reconnaît que c'est Edwige avec ses petits points noirs et tout. Mais on reconnaît Edwige avec ses petits points noirs, mais c'est pas encore ça. Je la trouve pas très ressemblante, c'est jaune fluo. Enfin, c'est pas le meilleur objet Running Press que j'ai vu. C'est sûr que Edwige de chez Noble Collection est 10 fois mieux, mais c'est un petit objet qu'on peut rajouter à sa collection et qui est assez sympa. Il y a un petit crochet en haut, donc vous pouvez accrocher avec une ficelle ou une chaîne et la mettre par exemple, la suspendre dans votre chambre ou je sais pas où, juste pour la suspendre. Et la cage qui est en fer ou en métal, je sais pas. Et voilà, il n'y a rien d'autre à dire sur cet objet. Je le regrette pas, mais si je l'avais pas eu, je me serais pas plaint. Mais je suis toujours ravi de recevoir un objet Harry Potter, donc. Ça reste quand même un bel objet, mais c'est loin d'être mon préféré de chez Running Press. C'est même le dernier. Enfin, si je devais classer tous les objets Running Press Harry Potter, Edwige dans sa cage, je le mettrais en dernier. Voilà. Donc le petit livret, je vais vous le montrer. La même couverture que sur la boîte. À l'intérieur, une photo d'Edwige avec le blason d'Hogwarts. Harry Potter avec sa chouette dans le 1, je crois. Harry Potter avec sa chouette encore dans le 3, je crois. Je crois que c'est chronologique. Hein. Enfin, je vais arrêter de dire croire. Bref. Edwige avec Harry Potter, mais c'est un dessin, c'est pas vraiment une image tirée du film. Là, c'est dans le 1, j'en suis sûr. C'est à la voix 9¾. Encore Edwige Harry Potter. Là, je vais vous montrer l'image. Voilà. Et petite anecdote, je crois que au cours de tous les Harry Potter, il y a eu en tout 3 chouettes qui ont tourné dans les Harry Potter. Mais je suis pas sûr de mon information, mais si vous avez ce livre, donc des romans à l'écran. Si vous l'avez bien lu, normalement il parle de cette anecdote. Donc si vous le savez, vous pouvez me corriger dans les commentaires. Ça me gênerait pas. Hein. Si je me trompe, je me trompe. C'est pas grave. Voilà, donc j'avais mis un petit décor pour Edwige, plume, un petit pins, des images. Et ceux qui se demandent pourquoi j'ai mis les pièces, c'est parce que dans le livre Harry Potter à l'école des sorciers, Harry Potter il prend le courrier de la chouette. Et en fait, la chouette lui pince ses doigts et Hagrid lui dit de lui donner 5 noises
pour qu'elle parte, pour la remercier quoi, d'avoir ramené le courrier. Et voilà, donc j'ai mis une noise et les galions et les mornies, etc. Bref, prochaine vidéo, c'était le petit Gobi. À plus.